Coach, nous connaissons dimanche qui a venu là, équipe Lyonso de Pernia, pour faire finale contre l'équipe Don Bosco de Petroville là, qui est un club de première division. Comment préparation a été avant match football ça? Bon, ça salue non. Faut que nous ce match que toute population perniaise d'attendre. On fait arrêter en finale. Il est vrai Don Bosco c'est l'équipe première division, c'est l'équipe DD. Mais nous même la bataille, notre travail à l'entraînement. Et nous jouons, nous trouvons le championnat avec eux, nous avons fini 0-0 et nous battons le final avec eux. Nous avons match à la Ligue 1 et nous avons motivé le match. Maintenant, nous connaissons que dans la demi-finale, l'équipe Lyonso a gagné l'équipe Delma, qui est un club division inférieure. Nous avons joué contre l'équipe Don Bosco de Petionville. Don Bosco de Petionville qui a joué la Kaili, on peut dire ça en quelque sorte, parce que c'est n'est pas que cette 13 finale, ça l'a même fait. Est-ce que la population est pernier, motivée pour aller plaire avec cette 13? Tout le monde connaît Don Bosco la Kaili, mais dimanche sur le terrain, nous au niveau des fanatiques, au niveau des populations, au niveau des peuples, est-ce que Don Bosco la Kaili vraiment? Et dame, je vais te dire ça, est-ce que Don Bosco a des gens qui sont pernier? Mon pernier est tellement motivé pour aller travailler pour eux, dimanche, Don Bosco. Mettez-nous prêts, nous parlons, qu'est-ce qu'il a calé vraiment. Mais sur le terrain, nous parlons vraiment de Don Bosco parce que nous-mêmes, au final, nous attendons avec un peu de bagaille. Parce que nous, le débat à Don Bosco, il y a une collègue avec l'autre qui finit nul. Don Bosco, dernière déclaration, coach, il dit comme ça, on a essayé de payer 100 000 $, tel, elle va nous 4-0. C'est bon, nous tous, comme c'est un match qui a grand pile d'attente. Nous-mêmes, nous connaissons ça, tout, nous n'avons pas davantage. On est gens venus, nous prenons la bataille au niveau des gens, nous, parce que comme nous, c'est comme nous. Maintenant, nous avons une grosse motivation de la part de vous-même qui n'avez pas dirigé l'équipe football. Ça. Mais comment ça est sur le plan physique? Est-ce que tout joueur est disponible pour vous et pour gros choc ça? Bon, nous avons plusieurs équipes blessées. Nous avons un Gilles Léogis qui est une équipe vraiment utile. Nous avons les joueurs centrales. Nous avons David Lavid qui est un autre arrière central encore qui est malade au niveau de cheville. Nous avons Gensol Michel qui est un arrière central encore qui est malade dans le genou. Et bien, nous avons un autre arrière central qui est Michel, qui est Belloni Michelson qui est malade encore. Dit que nous avons plus fort installé nous qui va disponible. Mais si nous souhaitons que nous préparer davantage, nous pas une question de poste. Nous avons plus fort qu'à jouer la saison des polyvalents. Alors dimanche, on avec quelque chose, nous avons qui parle qui nous garde pas comme excuse. Noël Sylvestre, nous connaissons dimanche qui a venu là pour aller gagner un gros final entre l'équipe Lyonso de Pernia et l'équipe Don Bosco de Petionville. Comment vous allez changer? Et préparation même, j'ai tout joué depuis que nous avons commencé tout noir. Et nous tous motivés, nous travaillons en pile, de façon à ce que nous venions de Don Bosco, parce que nous faisons deux matchs avec les gens, qui nous fait nul, pour nous faire l'essentiel et gagner, et pour nous apporter tout ça. Maintenant, nous connaissons Noël Sylvestre, c'est un habitué dans le football haïtien, c'est un joueur qui était joué dans la première division, dans l'équipe Racing, si nous avons avec seulement l'équipe Racing, club haïtien. Ou a joué désormais pour un club de deuxième division. Comment est-ce que ça se de première à deuxième division? Donc c'est pas une grande première et faut voir qu'on est qui m'était joué déjà dans la deuxième division avec Saint-Louis du Nord et c'est pas ma première fois donc motivation est toujours même genre c'est football lié et nous gagnons l'ensemble nous n'a bien football même j'ai joué dans la première division et espérer que et ça te nous permet maintenant Lyonso en deuxième division. Lyonso a montré tout le monde que deuxième division n'est pas capable d'empêcher le faire et gros résultat. Mais comment est mon pionnier accueilli club blanc? Est-ce que y a une motivation en plus pour nous capable faire résultat parce que nous jouons mon pionnier et à marcher derrière club blanc? Oui, y a une motivation en plus et parce que tout le monde qui aime le football, lui aime mon seul bagage, c'est le résultat. Il suffit qu'il va faire résultat, tout le monde a marché avant. Et c'est sûr que dimanche si Dieu veut, on va le stade la rempli parce que tout le monde peignait déjà motivé pour match football ça. Donc ça a des besoins, c'était satisfaction. Donc nous avons déjà pendant 4 matchs que nous j'ai déjà nous fait comprendre que nous pas une équipe et seulement deuxième division qui a joué deuxième division, mais nous montrer que et si des championnat et nous avons fait plus. Football haïtien, hein, nous situation vraiment difficile en termes de structure, en termes d'infrastructure ou même qui ça ou souhaiter que dirigeant étatique et les personnalités secteur privé fait pour permettre que le football lui-même vienne un statut professionnel, bien que en pile monde croit que le football national là professionnel ou même comment ou évolution football haïtien. Moi-même moi premier bagage qui gagne c'est que football haïtien il manque médiatisé et manque gagne couverture qui fait dans le football là et après nous manque et gagne sponsor monde secteur privé qui manque arriver joindre football haïtien. Là regarder avec mes moyens que nous gagne nos produits. Donc si le secteur privé a arrivé jeune nous sponsor yo aider nous aider dirigeants pour dirigeants tout répondre avec obligation nous pensons que le football haïtien ca aller haut il ca aller loin
et que ça que nous fait déjà. Maintenant, n'a constaté que l'équipe Peña a entraîné sur un terrain qui pas respecté les normes yo, ou même qui soit mandé pour l'équipe Peña, qui soit mandé pour l'équipe Peña, parce que là il paraît clair que terrain pas adéquat pour l'équipe Peña entraîner. Oui, j'en imagine, j'ai tout le monde pour aller well là tout, donc et peut-être que yo pas jamais qu'un possibilité pour te ouais dans qui état que Lyon se dépenne à entraîner, même j'ai été faire pour Saint-Thérèse, même j'ai fait pour Bristol, même j'ai pour faire pour un paquet l'autre terrain. Si on était longé même bay et terrain ça, parce que et n'a peigné a bien plus bon football que ça n'a produit jeudi dernier. Ouais, avec terrain ça que nous gagnons malgré tout, équipe là joué avec Don Bosco deux fois. Un match amical et puis dans la compétition nous jouons avec déjà, donc il n'y a pas qu'à mettre de nous en terre, nous même tout nous pas arriver à gagner. Même parce que si nous avons plus bon terrain que ça, le travail là fait plus bien, il y a plus de facilité pour le faire et le football là produit plus que ça. Dernière question, Noël Silvestre, qui est fanatique football capable d'attendre de Noël Silvestre dans la finale ça face à l'équipe Don Bosco? Je parle de sur le plan personnel. Bon, dans la finale ça, les fanatiques vont mettre attendre que tout ça n'a pas été fait pendant le premier jusqu'à 4e juin. Donc nous va faire l'essentiel. Ça attend dans nous c'est marquer goal et faire équipe la gagner. Donc jusqu'à présent nous-mêmes personnellement nous beaucoup satisfaits de ça nous ta supposé bail. Donc et parce que et me lancer appel là avec toute fanatique yo vini et y a joué meilleur de Noël Silvestre et pourquoi pas répondre avec et victoire équipe là pour nous remporter tournoi.